pas avec la caméra tous les 4 jours. Il fait semblant de bouder un peu pour voir. Appelez-le pour voir. Allez, viens. Vous voyez ce que je veux dire donc. On les verrait tous les quatre. Au début, on se dit qu'il y a que. Par un simple mouvement, on ferait rentrer un quatrième, un cinquième qui boude, qui fait la tête, etc. Ça le met visuellement dans l'image à part. Après, la distance qu'il soit à 2 mètres plus proche ou plus loin, au fond, ça n'a pas trop d'importance. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est bien, même si fait comme ça par exemple. Ça a l'air un peu comme ça. Est-ce que ça a l'air crédible à l'image? Ouais, ça va. Un peu plus. Ça dépend de votre temps. Non, comme ça, non. Un peu plus mou, ah, voilà, les mains. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, il faut un truc un peu visuel, mais il faut quand même quelque chose d'assez avec peut-être un petit filet de sang qui. Action! J'espère que l'acteur qui le fera aura plus d'énergie. Mais ce sera une fille aussi. Elle a l'air de se dépêcher pour aller. Bah oui, mais pas, c'est glissant les escaliers. Allez, les gars, soyez. Ayez l'air méchant et mauvais là. Grognez. Excellent. Continuez. Ah, mais je l'ai pas. Jusqu'au bout. Rigolez pas, vous le faites ensuite. Mais oui. Évoque. Attends-moi. Attrapez Younes. Ils l'ont habillé tout en blanc, alors qu'en fait une vraie Dark Lady doit être tout en noir. Merci. Parce que c'est le reflet de son âme. Alors, les Dark Ladies qui continuent aujourd'hui, ce sont des femmes qui en fait ne voient dans la vie que l'argent. Et que pour obtenir l'argent, elles se servent d'un homme qui est donc le born loser. Et elles font commettre aux mecs les crimes dont qu'elles ne veulent pas endosser. Et quand le mec a commis son crime, généralement, elle s'est débrouillée pour que lui soit accusé et finisse en prison ou meure. Au moment de la trappe, elle pourrait être... C'est quoi l'endroit où la bonne la fille? Là, l'entendre? Là. Elle pourrait être là, puis le gros du regardeur, il fait, ça y est, je l'ai pris, elle pourrait retourner. Non, elle pourrait être là, dans cette pièce et entendre, comme c'est derrière, par derrière, entendre un bruit. Et à ce moment-là, crier, et lui, il essayerait de s'enfuir, et le gros Dieu l'attraper. Et là, il serait présent. Il devrait s'enfuir au moment où il se rend compte que cette porte-là est bloquée, peut-être. Et là, comme il fait le tour, ouais. Il passe au milieu, ouais, là, il attrape, elle est dans la pièce, elle l'entend, elle est dans cette pièce. Ça, du coup, elle fait le tour pour côté, non? Elle est passée là où il y a des femmes fatales. Ouais, voilà. En plus, c'est logique, et lui passerait par là. Et là, il faudrait le tour pour essayer de l'attraper. Et là, le gros Joe le bloquerait par là. Là, il y aurait la fiche de killer, ça va vous l'aimer. Vous pouvez avoir la caméra. Lui, ici. Il penserait qu'elle serait rentrée. Qui filmerait lui de côté, qui regarde un peu sur le côté comme ça. Et elle, peut-être là, ouais, en train de passer. Elle rentre, est en train de passer sur la partie là. Mmh. Et quand elle est par ici, peut-être il pourrait essayer de s'enfuir. Elle le voit, mais a priori, il a quand même réussi à lui échapper. Et. Tout à coup, il se fait quand même attraper et immobiliser là. Son arme pointée dans cette direction-là, mais comme l'ombre, indique l'endroit où sont les autres personnages. Donc on pourrait partir comme ça et voir les trois personnages qui sont encore en train d'immobiliser le héros, avoir une espèce de pétage de plan final de la méchante, et tout à coup, ouf, sauvé. C'est-à-dire les personnages, la narration, donc vous verrez que dans la narration du film, il y a beaucoup de flashbacks, l'esthétique, c'est-à-dire la lumière, l'opposition lumière-ombre, qui vous donne en fait l'idée du combat entre le bien et le mal. Bon. Il y a aussi un truc très important, c'est dans les thèmes,
c'est l'importance du destin, c'est-à-dire la fatalité qui s'acharne sur le personnage. Et généralement, le personnage principal est toujours un loser, un born loser, c'est-à-dire un perdant né. Voilà. Derrière vous, vous avez les dark heroes, c'est-à-dire les pauvres mecs, quoi. C'est ceux qui sont les jouets de ces dames. Donc les mecs sont toujours des perdants. Les femmes sont toujours des salopes. Et c'est pas moi qui parle, c'est le film noir.